Rêve que la parole, rêve que la parole de Dieu te touche, que la parole de Dieu fasse des miracles. La parole, Seigneur Jésus, fais le miracle. Notre Père, fais le miracle. La parole qui parle, la parole qui guérit, la parole qui délivre. Prête mon frère, prête ma soeur, la parole qui donne le cœur au cœur, la parole qui t'envoie au ciel, oui, la force de la parole. Réveille le corps, Alpha Omega, tu es la gloire éternelle. Réveille-toi, alléluia, réveille-toi, mystère de Dieu, tu es la gloire éternelle. Réveille-toi, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Réveille-toi, prête ma soeur, prête mon frère, Jésus a la gloire. Éternelle, prête ma soeur, prête mon frère, prête, demande à Dieu, laisse-le révéler. Dans la force, laisse-le guérir, laisse-le témoigner, révèle-toi. Seigneur Jésus, révèle-toi. Alpha, Omega, c'est toi la gloire éternelle. Révèle-toi, il me l'a dit, prête. La parole va te guérir aujourd'hui. Le nom de Jéricho va tomber de ta veine, de ton cœur, de ta pensée, de ton esprit, de ton âme, par la puissance de la parole qui vient combattre le péché, le peuple et qui vient renverser la barrière de l'inimitié. Regarde-toi, Omega, tu es la force de l'Église, tu es la force de l'Église. Regarde-toi, fais-toi connaître, alléluia. Alléluia, alléluia, je suis entré. Alléluia, l'Église entre dans la gloire du Père. En ton nom, en ton nom, il va descendre de tous les noms. Alléluia, ton nom est au-dessus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus entre dans la gloire. Amen, merci Seigneur. Merci Jésus, je baisse le micro. Oh, gloire à Dieu. Alpha, Omega, tu es l'adoration éternelle. Révèle-toi, merci Seigneur. Amen, amen. Oh, alléluia, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, il est le roi des rois, il est le roi. Seigneur Jésus, tu es le grand roi. Amen, gloire à Dieu. Amen, je baisse le micro, je baisse le micro. Gloire à Dieu. Beaucoup de vigueur, oh, beaucoup de miracles, mon frère. Beaucoup de miracles, il y a beaucoup de vigueur dans le corps de Christ, dans son église, dans l'église vivante de la vie éternelle. Église vivante, beaucoup de vigueur, beaucoup de force, beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance, beaucoup de bombardements qui sortent du cœur des vrais enfants de Dieu. L'ennemi a trop de problèmes de rester au milieu de nous. Il va venir le feu, le chasse, il va venir le feu, le chasse, la fureur de la vague de l'amour de Dieu qui sort de nos cœurs, oui, qui est en train de combattre l'esprit contraire, qui est en train de combattre la vie contraire, qui est en train de combattre le mystère contraire, au mystère de Dieu, frère bien-aimé, soeur bien-aimé, donne gloire à Dieu que tu aies été jugé digne de participer au combat de Jésus-Christ. Ce que les anges désirent connaître, ils désirent y plonger leur regard dans le mystère que toi tu es en train de vivre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ils vont te demander dans l'éternité comment tu te sentais quand tu voyais la tentation, comment ton cœur faisait. Ils veulent savoir comment Jésus était dans ton cœur au moment où tu étais tenté. Ils veulent savoir ce que tu ressentais. Il dit, est-ce que tu ressentais la pitié et la crainte en même temps pour aller sauver les gens quand Christ t'utilisait dans le monde? Comment tu savais que c'était sa vie? Nous, on ne connaît pas comme ça. On n'a pas été sauvés.
on n'a jamais péché, mais vous, vous avez été rachetés du péché. Il a choisi l'homme pour en faire sa demeure. L'intimité qu'il avait, vous, est supérieure avec ce qu'il avait, nous. Il vous dit de s'asseoir sur son trône. Nous, on n'est pas assis sur son trône. Vous, vous vous asseyez sur son trône. Vous êtes ses enfants chéris, bien-aimés. Quand vous pleurez sur la terre, quand vos cœurs sont touchés, il nous envoie. Et on est très content de venir parce que vous êtes l'objet de son attention. Vous êtes précieux pour lui. L'adoration qui réjouit le cœur de son Père, c'est l'adoration qui sort de vos cœurs. Parce que vous vivez dans les ténèbres. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu comme nous ici. On le voit, on est dans sa présence. De la gloire, rien ne nous dérange. Mais vous, malgré vos souffrances, malgré les combats, malgré la pauvreté, malgré la nudité, malgré le froid, malgré les médisances, les emprisonnements, malgré tout ce que l'ennemi envoie contre vous parce qu'il déteste Jésus et il ne veut pas que vous restiez avec Jésus, malgré tout ça, vous pouvez lui chanter la gloire, la louange. Vous pouvez gêner. En plus du fait que vous n'avez même pas mangé, vous trouvez encore la force de gêner. Comment vous vous sentiez? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Quelle était la force qui vous faisait partir? Décris-nous un peu ton sentiment. Aujourd'hui, frères et sœurs, on parle de la force de Dieu, la force de l'Esprit qui nous est donnée, l'âme de la vérité, l'Esprit de la vérité dans le combat du salut. Pour les hommes, combat terrible. Les armes que nous employons ne sont pas charnelles. Elles sont efficaces par la vertu du Saint-Esprit. Un vrai chrétien, oh mon frère, ma soeur, on ne peut pas t'expliquer ce qu'un vrai chrétien connaît, ce qui ressemble. Tu comprends, tu ne peux pas comprendre. C'est vraiment un mystère dont les anges eux-mêmes désirent connaître. Regardez, ils sont à l'extérieur, ils nous voient, ils combattent pour nous, mais ils disent que leur combat, ce n'est pas comme notre combat, parce qu'on combat avec le sang qui est en nous, qui est le sang du péché, que Christ a renversé à la croix. Comment vous vous sentez quand Christ renverse la loi de la condamnation, l'âme de la condamnation, l'esprit de la condamnation? Comment tu te sens quand tu es transformé, hein? Comment tu vois de tes yeux, comment Dieu te recrée? Tu vis ta transformation. C'est un miracle extraordinaire. On ne t'enterre pas physiquement pour que tu te relèves spirituellement, non, mais tu vis encore. Ta femme te voyait, tes frères te voyaient, tes soeurs en Christ, tes soeurs te voyaient, les païens te voyaient, tes amis d'école, de travail te voyaient. Le matin, tu sortais, tu partais, tu étais debout en train de travailler et Dieu te transformait. Ça, c'est un miracle incroyable. Mon frère, il te recrée, il t'a tué debout et il t'a recréé, tu étais debout. Ça, on va connaître que la force qui agit en vous, on va connaître la loi de l'intimité entre Dieu et l'homme. C'est Christ qui possède la règle. Tu comprends? La règle mathématique, le calcul. Tu comprends la loi mathématique, la preuve palpable de cet amour, de cette intimité nous dépasse. On veut que vous nous parliez. Nous, les anges, on attend les dominations, les autorités, les principautés qui ont été créées avant vous. Ils sont témoins. Ils veulent voir, ils veulent connaître, ils veulent apprendre la sagesse de l'amour de Dieu au travers de l'Église. Quand vous prêchez, et quand son esprit prend contrôle, vous parlez au travers de vos bouches, on est au garde-fou, on entend, on veut connaître, on va apprendre de lui, notre roi, notre maître, notre Dieu, qui vient sur la terre comme ça, souffrir à la croix, notre créateur, mon frère, ma soeur, ça lui prenait seulement un commandement, une seule prière pour qu'on descende sur la terre, détruit toute la terre, s'il ne voulait pas mourir. Mais il n'a pas appelé le Père, il n'a pas appelé les légions dangereuses que nous sommes pour venir combattre, parce qu'il avait l'amour, la compassion, la pitié. Il sait comment faire, il sait comment avoir pitié de quelqu'un. Il connaît la valeur d'une personne. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut qu'on apprenne comment avoir la pitié dans le travail de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette pitié, cette compassion de Christ qu'il a fait venir sur la terre, avoir pitié. On va d'abord
partie dans le livre de Jude, verset 23, où le Seigneur nous a amené la fois dernière dans ce verset très riche. Il a sorti trois chapitres ou quatre qu'on va étudier. On en a déjà étudié un chapitre, on va étudier le deuxième aujourd'hui et le troisième ultérieurement. Donc, dans le Jude 23, la Bible est claire, il dit ceci: sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et voilà, ça c'était le troisième chapitre qu'on va étudier. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ça c'est un troisième chapitre. Voilà, aujourd'hui on va étudier le deuxième chapitre qui est au milieu des trois. Voilà, qui dit ceci là: et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Ça c'est le chapitre qu'on va utiliser aujourd'hui. Et le premier chapitre c'était haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça c'est le premier chapitre de ce verset que le Saint-Esprit a divisé en trois chapitres par son omniscience. Oui, la division de ce chapitre ne m'est pas donnée comme ça d'un coup. C'est en avançant que je vois comment il a sa pensée révélée. C'est pourquoi la Bible nous dit de marcher par l'Esprit, de marcher avec l'Esprit et de vivre avec l'Esprit. C'est lui qui a notre pensée, la pensée nécessaire que nous devons avoir au moment qu'on propice contre l'ennemi. C'est lui qui a les paroles vivantes, les paroles sages par lesquelles nous devons répondre à l'ennemi. Comme Jésus-Christ a dit qu'il vous sera donné à l'heure même ce que vous allez dire. Ne préméditez pas votre défense lorsque vous serez accusé. Donc le Saint-Esprit a la défense pour nous. Il faut marcher avec lui. Et l'Esprit nous a enseigné hier que c'est les paroles nouvelles, hein, que moi-même j'entends, qu'il communique intimement, il parle intimement avec l'âme de Jésus, avec le sang de Jésus. Son dialogue est intime avec le sang de Jésus. Donc c'est ceux qui sont conduits et scellés par le sang de Jésus qui vont connaître son autorité, sa bénédiction, sa vie. Donc c'est l'homme nouveau qui est dans le sang de Jésus. Par conséquent, il faut que la crucifixion intervienne pour que les sentiments qui étaient en Jésus, en venant sauver le monde, soient donnés aux personnes qui sont appelées à aller sauver les autres en les arrachant du feu. Beaucoup de personnes prient, ils jeûnent, ils prophétisent, mais il les manque la pitié, donc, et la crainte. Voilà, je veux plus, je pense que l'Esprit va mettre plus d'emphase aujourd'hui sur la pitié, et puis on va revenir. Je dis ça, mais je ne sais pas ce que l'Esprit va faire, parce qu'après tu m'as dit qu'il avait dit, et puis il n'a pas fait. Non, je suis la parole de Dieu, et puis l'Esprit peut décider au cœur du message de partir à gauche ou à droite. Nous avons deux points. La Bible dit la crainte et la pitié et la crainte. Mais ce que je remarque beaucoup, certaines personnes n'ont pas les deux à la fois. D'autres personnes ont la crainte et ils n'ont pas la pitié. D'autres ont une pitié et ils n'ont pas la crainte. Mais ceux qui n'ont pas les deux à la fois tombent toujours dans l'erreur. Ils ne traversent pas. L'Esprit dit expressément dans le livre de Jude que l'arme du cœur qu'on doit avoir en allant sauver les païens, en allant dans la moisson du Père, il faut avoir la pitié qui est mêlée de crainte. La crainte est importante. Elle fait allusion au jugement qui va venir. Si tu tombes, si tu regardes derrière, il y a la loi, tu vas brûler. Ne regarde pas derrière. Sauve-toi pour ta vie. Tu comprends? Sauve-toi dans la vie de la sainteté que tu as reçue par le Père. L'appel, l'âme de Jésus, l'Esprit de Jésus que tu as reçu s'appelle l'Esprit de crainte de l'Éternel. Tu comprends? La Bible dit que Jésus lui-même craignait l'Éternel. Dans Ésaïe 11, c'est clair. Il respirait la crainte de l'Éternel. Tu comprends? Donc le chrétien doit craindre Dieu. On ne joue pas avec lui. Oui, si tu tombes dans le péché, si tu ne crains pas Dieu, tu vas tomber dans le péché. Tu vas t'amuser avec Dieu. Il y a beaucoup à dire sur la crainte. La crainte de Dieu implique le jugement du feu éternel dont nous allons parler au troisième chapitre qui peut être enseigné l'année prochaine, même le mois prochain.
même l'Esprit de Dieu, il reviendra. La crainte, tu médites, tu pars dans le feu éternel. Et si Dieu t'envoie là-bas, c'est la séparation éternelle. C'est la malédiction éternelle. Tu ne peux pas aller là-bas. Voilà le but, voilà pourquoi tu crains Dieu. Luc 12, 4, 5, Jésus va dire, à vous qui êtes mes amis, à vous qui êtes mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ami, ça veut dire ami de l'époux. Ami, ça dit ceux qui amassent avec moi, ceux qui travaillent dans la moisson pour l'église qui est ma fiancée, et moi je suis l'époux. Voilà mes amis qui avaient mon témoignage. Je vous dis qu'il vous faut de la crainte. On parle de la pitié, mais je vois que l'esprit commence d'abord par la crainte. Donc on parle dans le livre de Luc, chapitre 12. Tu n'es pas un dormeur, tu es debout. Luc, chapitre 12, ne dors pas, hein, parce que la force que nous recevons pendant le combat de tous les jours et la puissance qui descend dans l'église, c'est la parole, c'est la vie de la parole qui nous est donnée en remplacement de la première vie que nous avions avant. Donc dans Luc 12, 4, 5, le Seigneur donne le conseil. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, c'est-à-dire à vous qui êtes envoyés pour sauver les autres en l'air du feu éternel. Donc tu connais pourquoi tu pars sauver les gens. Premièrement, il faut connaître pourquoi tu pars. Tu pars le sauver de quoi? Qu'est-ce qu'il risque, lui-là? Qu'est-ce que le président risque? Qu'est-ce que le ministre risque? Si tu ne connais pas, c'est que l'homme du monde, est-ce que tu n'auras jamais le ministère de la pitié? Il faut bien comprendre. Tu comprends? Et quand tu as la crainte de Dieu véritable, à ce moment-là, tu vas maintenant avoir la vraie pitié. Tu comprends? Toute personne qui méprise le jugement de Dieu ne peut pas avoir la vraie pitié. Tu comprends? Il faut bien comprendre la vraie pitié. Jésus-Christ avait pitié des âmes parce qu'il connaissait le feu éternel, la séparation éternelle, la malédiction éternelle, la fureur des flammes éternelles qui vont brûler les rebelles. Regardez le livre de Judas. On parle du jugement de Dieu sur les anges qui ont péché, qui sont damnés dans les ténèbres éternelles. Tu comprends? Il parle des pasteurs, des prophètes impies, des vagues et des astres errants, ouais, dont l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Tu comprends? Le livre de Judas nous appelle rapidement à l'ordre. Est-ce que tu connais pourquoi on craint Dieu? C'est le milliard de siècle. Regarde le volcan. Regarde le volcan. Une montagne qui est en pleine éruption volcanique. Une colline. Mon frère, arrive là-bas. Tu vois comment le feu sort. Comment les pierres sont en train d'exploser sous la puissance du feu. On parle du feu de la terre. On parle du feu que le diable maîtrise. Et ça ne lui dit rien. Un esprit maîtrise le feu là. Il y a les marabouts forts dans la magie qui peuvent traverser le feu là. Ça ne lève et rien. Mais regarde d'abord la fureur des feux là. Est-ce que tu peux rester là-bas une minute? Est-ce que tu peux rester là-bas deux jours, frère, dans les vagues, l'éruption volcanique? Tu regardes le feu, ça devient un fleuve de feu. Le feu brûle, mon frère, le soufre brûle, ça s'explose avec les gaz terribles et ça devient les vagues de feu. On te dit qu'on va te plonger dedans pour toujours. Pour toujours, il faut bien écouter. Tu ne sortiras plus jamais. Tu comprends? Il faut bien écouter. Ton avis ne sera plus changé. On ne va plus examiner ton cas, ton dossier. On ne va plus revenir là-dessus. Après la mort, c'est le jugement. Tu comprends? Une fois terminé, tu n'auras plus le temps pour revenir sur la terre arrangée. Ta vie, c'est terminé. Une fois donné aux hommes de mourir. Hébreux 9, 27. Après quoi? C'est le jugement. Voilà les gens qui ont la crainte de Dieu. On parle du feu, du volcan. C'est rien pour Jésus. C'est rien pour Satan. Donc Satan ne va pas être puni par le feu du volcan. Tu comprends? Écoute bien. Moi-même, j'enseigne ce témoignage. Je parle de l'enfer, des feux. Mais je vous dis la vérité, je n'ai pas bien compris, même encore un millionième, de ce qu'avait dit perdre son âme. De ce qu'avait dit, frère, perdre son âme. Hey, si tu connais ce qu'avait dit, perdre son âme.
En homme, tu ne feras rien d'autre que sur cette terre pendant ta vie que d'aviser les gens sur le danger de perdre leur âme, de tomber dans la malédiction. Mon frère, de perdre la vie éternelle pour rester dans la souffrance, le tourment, le terrible, les douleurs impossiblement transmissibles, explicables. On ne peut pas expliquer ces douleurs. C'est que tu ne parles plus, tu n'es plus capable d'exister. Je vous ai souvent dit, et je pensais encore aujourd'hui, dans la voiture, je pensais aujourd'hui, et voilà, et je disais, Seigneur, vraiment, c'est terrible. Et donc, tu m'avais donné la vision aussi, et tu as enlevé ça de ma pensée, et pour me redonner ça, quand tu vas m'utiliser, j'ai, à 5 ans, je crois, j'ai eu ce rêve, cette vision, pas rêve. C'est comme si j'avais les yeux ouverts. Je vous ai dit, je me suis vu dans un lac de feu, les gens brûlaient dedans, il le brûlait, je l'ai parlé, je disais, mais c'est comment? L'autre ne répondait pas, je parle, personne ne me répond, tout le monde était dans sa souffrance, et là, pleut là-bas, c'était comme s'ils pleuraient à l'unisson, ça veut dire qu'ils ont déjà tellement souffert, pleuré, que leur corps, leur âme, leur esprit est brisé, est scellé, comme on dit là, est scellé dans le feu, ils ne peuvent plus réfléchir autrement, ils ont les mêmes intensités de douleur pour tout le monde, et maintenant ils pleurent à l'unisson, donc c'est comme si, c'est-à-dire que le diable tire sa gloire de la souffrance et de l'homme. Il déteste l'homme parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comme il ne peut rien faire à Dieu, il utilise l'homme pour manifester sa colère envers Dieu. Il est flatte sur la terre d'être insouciant de l'éternel. Et puis maintenant, il va après les avoir flattés et prendre toute leur vie, il leur montre que maintenant des tourments terribles, là-bas la haine terrible qu'il a pour les humains, dont les personnes s'y pleuraient, se brûlaient là-bas. Et puis, moi je ne brûlais pas. Je crois que je ne brûlais pas et je demandais à Jésus. Je ne lui demandais pas, je ne reconnaissais pas dans le feu là. Et puis je commençais à dire, mais il n'y a personne qui peut éteindre le feu ici. Il n'y a personne vraiment qui peut éteindre le feu ici. Je regardais au nord, je regardais au sud, je regardais à l'est, je regardais à l'ouest. J'avais 5 ans, je crois. Le Seigneur seul sait quel âge j'avais. Et voilà, je regardais, je m'étonnais, je disais, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quand je disais, il n'y a personne, je ne faisais que répéter, j'ai commencé à revenir à moi-même, dans le naturel, si je me suis levé, je crois, je me suis assis, j'ai bien vu Jésus, debout, en blanc, qui me regardait comme ça, il me regardait, il n'a rien dit, pas un mot. Après ça, je me suis levé, l'expérience est partie, c'est comme si on avait, je n'ai jamais dit à quelqu'un, même à mes parents, vous voyez, ces dernières 10 années que le Seigneur commence avec le témoignage de l'enfer et beaucoup de choses, je sens dans mon corps la souffrance de quelqu'un qui va perdre son âme. Hey, mon frère, avec à chaque douleur, je m'imagine la malédiction, la souffrance de quelqu'un qui va habiter dans le feu éternel pour toujours. On parle du feu que Dieu a créé, tu comprends, pour brûler Satan. Satan se peut se tenir dans le soleil, ça ne lui fait rien. Mon frère, regarde l'intensité du soleil, ça ne lui fait rien. Quelle est l'intensité du feu que Dieu va créer pour que Satan ait mal? Mon frère, ma soeur, tu pars où? Regarde la puissance de Satan, le feu contraire qui va venir brûler, parce que lui-même, Satan a un feu. La Bible dit que le dragon crache le feu de sa bouche, mais le feu de Dieu va brûler le feu du dragon. Est-ce que tu comprends? Pour qu'il ait mal dans le plus profond de son être entier, qu'il ait mal dans le corps, l'âme et l'esprit, pour l'éternité. Est-ce que tu comprends? Comme pourquoi on te dit la crainte de Dieu, ce n'est pas une fantaisie. Tu comprends? C'est ceux qui connaissent l'éternel qui le craignent. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le craindre. Parce que la crainte, c'est le Saint-Esprit qui met la crainte de Dieu dans nos cœurs. Qu'on ne joue pas avec Dieu. Ne joue jamais avec Dieu. Quand tu dis que tu passes avec
quoi tu parles sauvé? Tu parles sauvé du feu, arraché du feu. Faut bien écouter, on n'a pas dit les trucs de la terre. Arraché du feu, quel feu? Le feu pour toujours, le feu éternel, une pitié. La vraie pitié va venir quand tu vois le feu là. Quand tu vois la fureur du feu, la Bible a dit que le feu de Nabucodonosor, c'est un petit feu. La Bible a dit que la fournaise était chauffée au point où les personnes qui venaient jeter Abednego, Meshach et Shadrach, la vapeur seulement les a tués. Est-ce que tu comprends? On parle du feu, frère. On parle du feu. Fais ton courageux, ma soeur. Fais-la courageuse. Tu comprends? Amuse-toi avec Dieu. Je me sépare de toi vite. Hey, tu ne vaux rien pour moi. Est-ce que tu as compris? C'est ton âme. Quand je regarde, j'ai pitié pour ton âme. Est-ce que tu comprends bien? J'ai pitié. Je ne veux pas être à ta place. Je ne veux même pas penser une minute qu'il peut être possible que je me retrouve là-bas, séparé de Dieu, mon frère. Si tu as perdu ton âme, tu as perdu le repos éternel, tu vas habiter dans le feu pour toujours, un milliard de siècles, le temps n'a pas compté, on compte tous les sables au bord de la mer, tu es toujours au feu, en train de brûler. Qu'est-ce que t'était arrivé? Quel péché tu avais commis? Qu'est-ce que tu avais fait? Hey! Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce qui t'était arrivé? Pourquoi tu n'avais pas fait de Jésus et dans l'éternité ton unique objectif? Pourquoi tu t'étais amusé avec Dieu? Pourquoi tu n'as pas eu la crainte avant de chercher à avoir la pitié? Est-ce que tu comprends? L'esprit a commencé par la crainte. Hein? Comment le voulait aller à la pitié? Je vous ai dit qu'il voyait la pensée de la parole. Comment la pitié, tu n'as pas la crainte? C'est faux. Tu as pitié de quoi? Connaissez la crainte de Dieu. Tu comprends? Qu'est-ce qui t'était arrivé? Pourquoi on va regarder après un milliard de siècles? D'abord, tu ne peux pas compter les grains de sable au bord de la mer. Quand on parle de la durée de tes tourments, je ne parle pas encore de la violence du tourment, parce que je vais revenir là-bas. On parle de la durée, on dit de craindre que tu es un frère. L'esprit de crainte, la première église craignait Dieu. Tu comprends? La Bible dit que la crainte s'empara de tous. La crainte profonde, tu ne vas pas jouer avec Dieu. Dans mon cœur, rien, blanc comme la neige. Tu crois que c'est l'argent que j'étais venu chercher? Ceux qui ne craignent pas Dieu commencent à chercher l'argent. Tu comprends? Quand tu ne crains plus Dieu, tu vas commencer à aller à gauche, à droite. La crainte, mon âme. Et puis c'est à partir de là que Dieu va dire que tu dois d'abord connaître que la souffrance éternelle de ton âme, si tu t'amuses avec moi, et tu vas par là comprendre que la souffrance est de celui qui n'est pas encore sauvé. Et c'est avec la crainte là et la pitié, on va voir ça demain ou après-demain, que tu vas aller vers ton frère. Le dit quand il va faire son succès dans le monde, avec ses voitures, ses maisons, tu vas regarder comme ça, les larmes vont couler. Tu dis, ben, c'est vrai qu'il va partir là-bas, il n'est pas encore mort. Aie pitié de lui, aie pitié. Tu vois le mot qui va sortir? Aie pitié. Après avoir connu le châtiment, la colère, pas même le châtiment, oui, châtiment éternel. Après avoir connu, après avoir perçu, après avoir expérimenté. Quand tu connais que ce n'est pas la lettre, non, c'est expérimenter une seconde par l'esprit qui te rend ministère de la colère de Dieu, de la force, de la puissance, de l'esprit de Dieu qui met sur pied un instrument qu'on appelle feu, qu'on appelle les temps de feu qui va brûler les esprits qui ont été pas créés par la terre comme toi. Avec quoi on a créé les esprits? Les démons, les esprits là, les autorités, les gloires. La Bible les appelle les gloires, je n'ai pas le temps. C'est les gloires que Dieu va brûler. Quelle substance est ce feu? Toi qui as été créé par la chair, tu te retrouves, mon frère, que Dieu t'aide. Tu vois la pitié
qui commence à venir véritablement, oui, c'est ça qui nous pousse. Ayez une crainte. D'abord, la crainte est importante, tu comprends? Pour connaître, mon frère, tu ne parles pas pour plaire, tu ne vas pas être corrompu devant. Parce que tu crains Dieu, tu ne vas pas te détourner à gauche ou à droite, parce que tu sais pourquoi tu es venu. C'est arracher ton frère du feu, tout ce qui compte. La prédication qui sortira de ta bouche, c'est pour arracher ton frère du feu. La prière qui sortira de ton cœur, c'est pour arracher ton frère du feu. Les miracles que tu demanderas à Jésus d'opérer, ce sera pour convaincre les gens pour qu'ils croient et qu'ils soient arrachés du feu. Tu vas chercher le miracle qui arrache les gens du feu. Voilà la compassion que tu vas chercher. Ce sera la compassion qui arrache les gens du feu. Ce que tu comprends, mon frère? La pitié que tu vas demander, ce sera la pitié qui arrache les gens du feu, mon frère. La violence est des flammes que Dieu a créées. Il y a un frère qui est là-bas, qui est parti là-bas. Il avait vu l'enfer. Il a dit que ça, ce n'est même pas descriptible. Tu ne peux même pas comprendre. S'il fallait te décrire, tu es maudit si tu ne connais pas Jésus. Tu es maudit. Si Jésus est mort à la croix, je lisais encore sa crucifixion quelques minutes avant de venir prêcher. Terrible. Crucifié, vivant, mon frère, pour tuer ton péché, pour tuer la lame qui devait te conduire au feu éternel pour toujours, mon frère. Oh, frère, voilà la vraie pitié qui parle, tu comprends? Mort à la croix, brisé, il est mort, on a percé son côté, percé ses mains, percé la couronne, la croix, frappé à mort. Tu vois comment le frappe, mon frère, alors la passer mettre ici pour qu'il te guérisse. La compassion ne peut pas être donnée par quelqu'un qui n'a pas expérimenté la douleur, la souffrance, tu comprends, qui t'attend devant. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus amène beaucoup de pasteurs, des frères dans le feu pour leur montrer ce qui les attend devant, pour que nous on comprenne le but, l'objectif de l'église, l'objectif de la prière, l'objectif du ministère, de la parole. Tu comprends? C'est que les cœurs prennent conscience que tu as l'éternité à gagner ou à perdre. Le frère était là-bas et dit qu'il est arrivé. Le frère, Jésus lui a dit que ça c'est rien. Viens, je vais te montrer quelque chose. Jésus l'a amené, il est parti quelque part, il ne connaît pas, c'était un endroit là où il y a le lac de feu, où la bête et le faux prophète et le dragon, avec leur sagesse, leur connaissance de la vérité, de la parole qui ne peut pas être altérée. Ils connaissent la puissance qui les a fait tomber du ciel. Ils connaissent la puissance qui les a créés à un niveau que nous ne sommes pas capables d'accéder, de comprendre. Donc, ils sont plus intelligents. Tu comprends? Donc, ils peuvent bien analyser. Ils se regardent eux-mêmes. Ils disent, nous, on va habiter dans le feu qu'il a créé, c'est terminé. C'est fini. Et on ne peut plus sortir. Il a dit éternellement dans le feu. Ça veut dire que tous les siècles, nous, on sera seulement dans le feu. Alors que les hommes-ci qui ne valent rien, qui ont été créés après nous, ils vont être en train de danser au ciel, de manger avec lui. Non! Comme nous, si on ne peut pas, je vous donne l'ordre. Satan dit, allez, que personne d'eux ne parte au ciel. Flattez-les avec les problèmes. Donnez-leur les problèmes aux ceux qui croient que ceux qui aiment beaucoup leur vie. Envoyez-leur les problèmes. Ceux qui veulent dire qu'ils veulent avoir la croix. Donnez-leur la prospérité. Ils vont laisser Jésus. Donnez-leur les bons boulots. Occupez leurs pensées. Donnez-leur les ambitions. Faites qu'ils ne pensent pas à l'invitation de Dieu, au jugement de Dieu qui les attend, qui est inévitable. Ils ne partent pas au ciel. Tu en es comme les mouches. Je ne veux pas qu'un homme ait un ciel. Rien de plus étonnant que quand les gens partent en enfer, ils disent parfois que cette année, peut-être 10 personnes ou 20 personnes seulement sont entrées au ciel. C'est tout à fait normal.
parle, qui est chrétien ici, quand tu regardes qui est chrétien, qui te parle de Dieu comme on te parle là, non, il y a toujours les, ils vont toujours diverter, ils vont toujours sortir de la ligne, te parler d'un truc folklorique, et puis tu es Jésus qui n'a pas de direction, hein, qui n'a pas de... C'était sauvé du feu. T'arracher du feu, voilà le ministère. T'arracher, sors du feu, tu es dans le feu. Tiens, tu sors, arracher du feu. Tu ne dois pas aller au feu éternel. La crainte de Dieu nous amène à te dire que frère, c'est quelque chose de terrible de tomber entre les mains de Dieu. Le frère l'a dit qu'il a vu le lac de feu. Et des frères, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Même les démons tremblent, tu comprends? Satan lui-même tremble, le feu. Si Satan savait que le feu éternel existait, il devait réfléchir avant de commencer sa rébellion. Vous voyez comment il est plus sage que les hommes? Quand lui l'a péché au ciel, il va te dire que quand moi j'avais péché au ciel, il n'y avait pas encore le feu éternel, frère. Quand Dieu va juger l'humanité, vous voyez Jésus, la miséricorde, il y a un pasteur qui prêchait une fois, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit que si je vous demande aujourd'hui que Dieu est bon tout le temps, tout le monde va lever la main et dire oui, Dieu est bon tout le temps. Lui, il était en enfer et il est au ciel. Il dit c'est le mensonge, Dieu n'est pas bon tout le temps. Il dit que frère, je viens où tu n'as pas voyagé. Si tu vois le feu qui brûle les humains, ton père qui est mort, ta mère qui est morte, ta cousine qui est morte, ton neveu qui est mort, frère, on peut vouloir faire la fausse consolation. Ils ne sont pas partis au ciel. Je ne prends pas, ils ne sont pas partis au ciel. Un pécheur ne part pas au ciel, mon frère. C'est un mensonge. Tous les gens qui viennent de l'enfer disent que j'ai vu mon pasteur là-bas. Ouais, j'ai vu le type là que vous croyez qui connaissait la parole. Je l'ai la seule là qui priait. La plupart des gens qui priaient beaucoup, je suis au regret de vous annoncer, ils ont toujours le mauvais cœur. La plupart que moi j'ai vu prier. Le cœur est toujours mauvais. Est-ce que tu as cherché à voir les sentiments qui est en Jésus? La prière, c'est pour avoir la sainteté dans ton cœur. La pitié et la crainte de Dieu. La paix dans ton cœur. Voilà ce que la prière demandait. C'était tout haut. Tu comprends? Hey! Ce n'était pas le truc. Je veux le cœur de Jésus. Je crains Dieu. Je ne veux pas aller dans le feu éternel. Tu comprends? C'était ça le problème. C'était ça l'objectif. Arracher du feu. Jésus m'a arraché du feu. Je ne veux pas aller dans le feu éternel pour rien au monde. C'est le cœur qui est taché du péché qui part là-bas. C'est simple, très clair. Beaucoup, les femmes qui prennent après la haine, la division, la rancune, le manque de pitié, de pardon. On va voir la parabole du serviteur impitoyable. On va aller voir Jonas dans la partie pratique, pas aujourd'hui, qui avait, il avait la crainte de Dieu, mais il n'avait pas la compassion. On va venir là-bas, Jonas, comme beaucoup sont comme ça, remplis, tu comprends, ils n'apprennent pas de Dieu. On voit bien à Jonas qui était dans le ventre du poisson. Dieu veut lui donner la compassion, il refuse. Dieu veut lui donner la pitié, il refuse. Tu comprends? Mais il prend la crainte parce qu'il a expérimenté la douleur. Mais il ne veut pas prendre la pitié de Dieu dans son cœur pour marcher avec. Tu comprends? Voilà les gens qui prêchent la condamnation. Ils ont ces mal arrogance, mais la pitié est où? Aimer ton frère, il n'a pas prêt. Essayons de voir dans le serviteur impitoyable. Tu comprends? Donc Dieu va l'appeler, il a beaucoup de péchés, Dieu lui pardonne tous ses péchés et il part là-bas, il a son ami qui a péché contre lui, qui lui doit de l'argent, il n'a pas appliqué la justice, mais il n'a pas la pitié, tu comprends? Il n'a pas la pitié, tu comprends? Très clair dans son cœur, il commence à appliquer la loi, il prêche la lettre, il n'a pas la pitié, il n'a pas la vie, il ne peut pas souffrir de renoncer à lui-même pour que son frère aille au ciel, il est toujours dans les on m'a fait, c'est il m'a fait. Quelqu'un qui part au ciel, il dit encore qu'on lui a fait. Hey, que Dieu nous aide. Tu pars, comment tu vas avoir la pitié quand tu dis encore qu'on m'a fait?
On m'a fait, on m'a fait. Tu es encore le moi. Toute personne qui aime sa vie est damnée. C'est celui qui en verra. Les gens dans le feu qui ne s'éteint pas, qui a dit dans sa préscience que tant que tu aimes ta vie, c'est fini, tu es dans le feu parce que tu vas perdre la vie éternelle. C'est très clair. Tu ne peux pas avoir la pitié. L'arme vivante de la pitié, tu ne l'auras pas. Très clair, la pitié rédemptrice d'être à la chair du feu. Celui qui a la crainte de Dieu et qui marche avec la pitié de Dieu, celui-là, lui s'en fout. Tu comprends? La vie, les problèmes de la terre, c'est rien pour lui. Il a vu le vrai problème. Tu comprends? Il a vu la vraie souffrance. La souffrance de la souffrance. Il était sous le ministère du Saint-Esprit qui lui a montré un aperçu si infime que futile. Voilà, de la souffrance qui attend l'homme qui a raté son éternité. Le pasteur s'est dit que Jésus l'a amené. Il a vu le lac de feu. Frère, sœur, tu ne peux pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas un esprit, que Dieu t'arrête, il entre en toi, Christ se met en toi, il dit que je te dis que lève-toi et regarde ce témoignage parce que je t'ai appelé pour ce travail, je t'ai appelé pour que tu arrives à la fin, pour aller dire aux gens le commencement, là-bas de l'autre côté, l'heure est terminée, mon père s'est levé, il n'y a plus le temps. J'ai déjà trop pleuré, j'ai déjà trop prié, je ne vais plus prier, je ne vais plus pleurer. Maintenant, c'est quelqu'un, si quelqu'un va à la gauche, qui se porte à gauche, si quelqu'un va à la droite, qui porte à droite, le mystère s'y est révélé, la requête de prière de l'homme riche qui était dans le feu et qui disait qu'envoie les gens dans ma maison pour dire à ma famille, pour dire à mes frères que j'aimais. Pour dire à ma mère, pour dire à mon père, pour dire à mon frère en Christ, parce qu'on connaît Abraham, pour dire à l'église, à la sœur en Christ là, au frère en Christ là, envoie quelqu'un dans ma maison, comme tu ne peux plus m'envoyer, envoie quelqu'un d'ici pour aller dire, moi Jésus, j'ai répondu à cette requête, toi pasteur, tu es encore sur la terre, je t'ai pris de la terre et je t'ai amené ici pour que tu fasses. Et quand tu rentres, dire au monde, mon père est fini avec le monde, là est arrivé, le temps est fini, je ne vais plus supplier mon père qui me donne encore le temps pour le monde. Je vais, il y a aussi un autre frère qu'on appelle Rick Joyner qui disait que Jésus dit que c'est la dernière minute et que la trompette va bientôt sonner, qu'avant qu'il ne vienne, il veut sauver tout ce qui peut être sauvé. Tu comprends? Il dit que je vous appelle pour vous donner cette pitié mêlée de crainte pour aller sauver tout ce qui peut être sauvé. Au son de la trompette, annonce du danger. Si quelqu'un donne la bête, et reçoit la marque de son nom. Il sera lui aussi jeté dans les temps de feu et de souffrance où ils seront brûlés pour des siècles et des siècles. J'ai dit ça dans la lettre. Maintenant, je t'ai dit d'aller leur dire. Ceux qui vont m'accepter, je vais leur dire ça dans leur âme. Ils auront la compassion que j'avais parce qu'ils vont connaître la colère de Dieu dans la douleur de la crucifixion. Je vais les rendre un ministère pour que la crainte de Dieu entre en eux, qu'ils comprennent que les douleurs, voilà là que j'ai expérimenté, c'était pour qu'ils n'expérimentent pas la douleur éternelle. Je veux les enseigner que je m'appelle l'homme de douleur. Est-ce que tu connais l'homme de douleur? Rien pour l'homme de douleur. Tu comprends? Tu connais? Le chrétien est un homme de douleur. Un homme qui chaîne beaucoup va appréhender les souffrances à venir. Tu comprends? Où le monde est en train de partir. Et il va avoir la pitié. Tu comprends? Mais là, il craint. Parce qu'il ne va pas aller là-bas. Il craint Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 12, verset 4 à 5, que je vais vous dire à vous qui êtes mes amis. Vous comprenez? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. N'aimez pas la pitié qui donne la vie sur la terre. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Le temps est fini. Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Allez dire aux hommes que le royaume des cieux est descendu jusqu'à vous. La possibilité.
choisir et de changer la malédiction éternelle à la grâce éternelle et donner à tout homme maintenant en votre temps. Mon Père en a fini. J'ai dit à la croix, tout est accompli. C'est ici que tu prends ta décision. Est-ce que tu veux aller au ciel ou bien tu veux aller dans le feu éternel? Voilà la problématique. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus notre compassion. Il n'y a plus rien d'autre. Si tu perds ton âme, toutes les compassions qu'on t'avait données, c'était le mensonge. Mensonge éternel. Mensonge pour toujours. Frère, le frère s'y déclare qu'il a vu le lac de feu. C'est terrible. C'est terrible. Elle dit que le lac de feu parle. C'est Jésus qui comprend. Il y a autre chose à dire. On parle de la crainte. Elle dit que c'est Jésus qui comprend le langage du lac de feu. Le lac de feu est en harmonie avec Jésus. Ça veut dire quoi? Pendant que du côté droit, nous, les sauvés, les rachetés, ce qui avait dit sur la terre, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la théorie. Quand on dit les sauvés, tu vois que c'est ceux qui viennent à l'église. Beaucoup de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est prophétisé. Tu crois qu'on jeûnait pour rien? Tu crois qu'on prie pour rien? Tu crois qu'on prêche? On va écouter la parole. Je vais aller écouter la parole, c'est 7 fois. Demain. 7 fois. Quand je vais vous raccrocher là, je vais du coup aller écouter avant de parler. Je m'en vais encore mettre toute la parole pour écouter et craindre, mon père. Que l'esprit de crainte entre dans ma moelle. Pour que quand la tentation va venir demain, je ne me laisse pas séduire par son plaisir. Tu comprends? Quand le faux conseiller va venir demain pour me dire que le pasteur abuse trop, je ne me laisse pas séduire. Il n'a pas mon amour. Il ne connaît pas la douleur d'une personne, d'une âme, frère, soeur. La douleur, la peine, mon frère, pour l'éternité, le temps éternel. Tu t'amuses avec qui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parfois, quand je regarde les personnes qui sont mortes, déjà, je dis, Seigneur, c'est vrai qu'il a perdu son âme. Seigneur, je dis, ce n'est pas un rêve. Tu ne rêves pas. C'est vrai que les gens ont perdu leur âme pour l'éternité. Tu vas te mentir que les gens ne partent pas en enfer. Jésus dit que le séjour des morts est insatiable. Tu comprends? Il s'élargit de jour en jour par la vie que toi-même tu mènes. Toi-même tu écris ton nom dans le livre du séjour des morts. Très clair. Est-ce que tu peux renoncer à toi-même pour te consacrer? Tu n'as pas peur. Voilà comment le séjour des morts s'élargit. Après, tu te fais des fausses illusions que peut-être qu'il est allé au ciel, il n'allait nulle part. C'est un pécheur. N'allait nulle part. C'est pourquoi il ne se répand pas, il ne veut pas craindre Dieu. Quand la crainte de Dieu vient comme un bombardement pour les pousser à la repentance, tu vas voir l'esprit là qui vient là, tranquille, il commence. Il préfère craindre que la souffrance du monde. Il préfère craindre que de perdre le confort. Pour au détriment de la crainte de Dieu. Il y a des gens qui me disent que ils ne veulent pas qu'on les prêche l'enfer, l'enfer. Si tu as seulement l'enfer, l'enfer dans la tête, tu ne vas pas aimer Dieu, tu vas seulement le craindre. Je leur dis que c'est des menteurs. Très poliment, tu es menteur parce que tu fais la même chose pour ne pas suivre Jésus. La raison pour laquelle tu ne te consacres pas à 100% pour Jésus, c'est parce que tu crains la souffrance du monde. Toi, tu crains la souffrance du monde et tu enseignes aux gens de craindre la souffrance du monde en allant faire tout dans leur vie pour éviter la souffrance du monde, pour avoir la vie facile sur la terre. Voilà ta doctrine, voilà ta philosophie. Toi qui enseignes de gagner la vie sur la terre, c'est parce que tu as peur de la souffrance. Si tu perds ta vie sur la terre, tu vas souffrir. Donc toi-même, tu t'appuies sur la souffrance pour avoir tes adeptes. Quand vous voyez les gens qui parlent de l'action et qui font des grandes conférences pour que les gens deviennent riches, ils s'appuient sur la souffrance de la terre. C'est pourquoi Christ est omniscient. T'as dit que ne crains pas la souffrance de la terre parce que c'est la force du diable pour avoir les gens de son côté. Pourquoi est-ce qu'il a les gens et quand Christ n'a pas les gens?
C'est parce que les gens vivent dans la réalité de la souffrance du diable maintenant, tu vois. Et ils examinent ça, ils trouvent que c'est terrible, c'est insupportable. Déjà à leur niveau, de rester affamé dans la pauvreté et souffrir matin, midi, soir. Et voilà, tu es malade, tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Tout ça, ils fuient donc la souffrance qu'on les enseigne. Et puis à partir de cette souffrance, ils comprennent qu'ils doivent l'éviter. C'est pourquoi tout le monde parle à lui. Donc toi qui me dis que je prêche la souffrance, alors toi-même tu prêches la souffrance. Toi qui ne veux pas aller à Christ, toi qui veux gagner ta vie. Et de telles personnes sont toujours les gens qui ont compromis leur foi. Ils pensent toujours aux choses de la terre. Tu comprends? Donc ils pensent aux choses de la terre parce qu'ils ont peur de souffrir dans le monde. Donc vous voyez que la souffrance est un instrument important dans la main des leaders, soit de Christ, soit de Satan. Maintenant, la foi éternelle, c'est aussi ce que nous on enseigne aux autres pour aller à la vie éternelle auprès de Christ. C'est inséparable, très clair. Tu vois, c'est important de comprendre ces choses. Donc tu dois connaître que la souffrance a mené le feu éternel. Tu comprends? Voilà la grande souffrance. C'est pourquoi Christ nous dit, ne craignez pas. Donc Jésus te dit quoi aujourd'hui? Que la crainte que moi j'ai dit d'avoir sur la terre ici pour aller arracher ton frère du feu. Quand je parle de la pitié qui est mêlée de la crainte, ce n'est pas la crainte pour les problèmes du monde. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Hein? Ce n'est pas la crainte de l'homme. Ce n'est pas la crainte de Nabucodonosor. Non, c'est la crainte de Dieu. Tu comprends? C'est ce que Jésus dit dans Luc 12. Que craint Dieu? C'est ce que l'homme le plus sage qui a vécu sur la terre en dehors de Christ. Il dit que Salomon dit que voici la fin de toutes les prédications, de toutes les prophéties, de tous les miracles, de toutes les prières. Tu comprends? Voici le résumé. Voici l'objectif. Voici le but à atteindre. Tu comprends? De la Genèse à l'Apocalypse. Le but, c'est à quoi? Craindre Dieu. Tu comprends? Craindre Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris que chaque minute de ta vie, c'est pour éviter le feu éternel? Ce n'est pas pour construire la maison. Ce n'est pas pour craindre. Les gens qui partent après la maison, les voitures, c'est parce qu'ils craignent le feu de la terre. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Hein? C'est l'esprit qui nous aide. Pourquoi tu ne peux pas perdre ta maison? Parce que tu vas mal te sentir. Hein? Reconnais. Tu ne peux pas abandonner ton travail, aller travailler pour Christ, parce que tu vas mal te sentir, tu vas souffrir. Dis la vérité. Vous voyez, les personnes qui seront affranchies, c'est les personnes qui disent la vérité à Jésus. Quand tu lui dis la vérité, ça, il est très content, il va t'aider. Dis-lui que vraiment, Seigneur, pourquoi je ne me consacre pas à toi? C'est vraiment parce que j'ai peur de souffrir sur la terre. C'est très simple. Mais Jésus te dit que ta crainte là, c'est la folie. Parce que tu pars dans le chemin de la vraie souffrance éternelle. Ne crains pas donc celui qui peut t'amener dans la souffrance de la terre. Donc tu vois que la crainte dont il est question, c'est crainte de Dieu. Tu comprends? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu as la crainte avant de parler de pitié? Tu auras pitié de quelqu'un, pourquoi? Jésus peut avoir pitié de toi parce qu'il te délivre du feu éternel. La pitié dont il est question ici, ce n'est pas les bonbons et les chocolats. Tu comprends? Ce n'est pas ça. C'est la fausse pitié que le diable donne à ceux qui ont la crainte de la souffrance de la terre. Et tu les vois, ils font les choses. Les gens qui font les grandes œuvres aujourd'hui pour donner l'argent aux gens, c'est les païens. Hein? C'est pas les chrétiens. Tu vois que c'est les chrétiens? Les vrais chrétiens, c'est le symbole qu'il leur offre à Dieu qui prouve la qualité et la quantité de leur offre. Mais dans le monde, s'il faut regarder la quantité quant au monde, c'est les mondains qui donnent plus. Quand j'étais dans le monde, les mondains m'ont donné plus d'argent. Très clair. Vous comprenez? Il y a des mondains qui sont capables de donner même 5 millions. Comme ça, là, boum, boum.
Moi-même, dans le monde, j'ai donné les 5 millions aux gens. Oui, très clair, dans le monde, 5 millions. Pour ma gloire, pour mon plaisir, pour mon prestige, t'appelles, la personne t'appelle, tu as quel problème, bon, mais c'est rien. Ok, je vais t'envoyer 5 millions. Oui, tu lui donnes 5 millions de francs CFA, comme ça, boum, c'est parti. Très clair, sans rien, ça te dit rien, il y a le plaisir, na gogo. Tu comprends que le diable met devant toi. Tu crées la souffrance, tu fais tout pour être bien dans la chair, il te faut de l'argent. Tu comprends? Tu vas mentir à qui? Maintenant, pour venir te consacrer comme ça, il faut que tu aies la révélation du feu éternel et tu comprennes que Dieu ne ment pas. En enfer, dans le feu, tu comprends que Dieu ne ment pas. Que tu es tombé. Tu avais cru au mensonge. Tu as appelé le mensonge la vérité. Théoriquement et pratiquement dans ta vie, tu as dit que la vraie vie, c'était celle de la terre et que la vraie souffrance, c'était celle de la terre. N'avez-vous pas encore entendu les gens là qui vous disent que l'enfer, c'est sur la terre? Voilà! Et ils font tout pour fuir l'enfer de la terre. D'autres vont même se suicider en disant qu'ils partent au repos. Mon peuple a péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon temps est passé. Donc, ses frères voient le lac de feu. Il dit que le lac de feu parle. Pendant que le feu, les vagues viennent, il dit que la fureur là seulement peut te mettre en morceaux. Quand tu entends le bruit, le grondement, le mugissement des flammes du feu éternel, il dit que ça te met en morceaux si Jésus ne t'arrête pas. Jésus lui dit ne crains pas, ne crains pas. Il dit que ça vient vers eux. Jésus dit ne crains pas. Il est en train de parler. Il est en train de dire que où sont les personnes qui ont méprisé mon Créateur? Où sont les gens qui ont blasphémé l'Esprit qui m'a créé? Où sont les gens qui ont méprisé Dieu, qui ont rejeté l'âme de Jésus, qui ont rejeté la vie gratuite de Dieu, qui ont rejeté l'invitation à la grâce éternelle de Dieu? Où sont-ils? Je vais les voir. Je vais bien montrer que c'est que le Créateur, quand il veut te tourmenter pour l'éternité. J'ai soif, ils sont où? Il dit que, Jésus dit qu'il est en train de parler, il explique. Quand il fait brouh, le feu là, mugit. Jésus dit qu'il est en train de dire qu'ils sont où? Tu es ici en train de manger le chocolat et les bonbons et en train d'aller dans les églises de maquillage et de pantalons où tu vas sentir alléluia, tout ça. Tu n'es pas sanctifié. Tu ne connais pas le feu terrible. Si tu voyais simplement un rêve sur le feu, par l'Esprit de Dieu, tu te réveillerais, tu disais que Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, toi, le copain, là, c'est terminé. Le mariage, tout ça, c'est terminé. Tu comprends? Aujourd'hui, je parle des faux mariages, hein? Il ne faut pas que... C'est terminé. Je me consacre à Dieu une fois pour l'éternité dont je suis encore vivant. Je ne suis pas mort. Il me reste combien de temps? Merci Seigneur, tu m'as donné la grâce de connaître ces choses avant ma mort. Si j'étais mort, je serais aujourd'hui. Tous mes raisonnements, que je serais en train de me dire que si j'étais mort, Jésus là-bas, il y avait des moments dans ma tête, il me disait que quand je partais pécher, je prends l'avion. J'ai fait ma force prière là-bas dans l'avion. J'ai dit que si l'avion s'y explose, Jésus-Christ a compris ma prière. Voilà les telles repentances que les gens croient que de telles morts partent au ciel. Tu n'es pas à aucun ciel. La repentance, ce n'est pas comme tu crois. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te convainc. Quand l'Esprit de Dieu ne t'a pas convaincu, ta repentance est fausse. Tu comprends? Tu t'es amusé avec Dieu. Satan t'a eu avec les forts raisonnements. Parfois, je me disais que Jésus va me comprendre. Quand Jésus va me comprendre, s'il n'y avait pas les témoignages de la foi, qu'on ne s'amuse pas avec Dieu, un pécheur ne verra jamais sa face. Je me suis dit qu'il faut que je craigne Dieu. Que la sanctification sans laquelle personne... Personne, il faut écouter, hein? Écoutez bien, la crainte là, la sanctification, tu ne peux pas, tu peux te prophétesse, rêveur, faiseur, tu ne pourras pas à la frontière du ciel, on va te scanner de la tête aux pieds. Il y a des gens qui me disent qu'on ne paye pas la dîme, je vais parler ça parce que tu vois que c'est l'argent, si on meurt ici ensemble, immédiatement, en même temps que
Boko Haram vienne bombarder l'église ou fusiller tout le monde. On sort de nos corps. Quand on sort de nos corps, immédiatement, tu vas commencer à dire que hey, est-ce que la dîme il fallait payer? Je ne serai pas de ton côté, ma soeur. Hey! Je ne serai pas de ton côté, mon frère. J'ai payé ma dîme à Jésus. En toutes tes choses. Tout. J'ai payé ma dîme. Mon enfant a payé sa dîme à Jésus. Je t'avais dit avant que le bombardement n'arrive. Je me sens va pour mon âme. Ma femme, tu ne payais pas ta dîme. Je t'avais dit quand on couchait au lit ensemble qu'il fallait que tu payes. Mon mari, tu ne payais pas ta dîme. Je t'avais dit quand on couchait ensemble que... Frère, je t'avais dit que paye ta dîme. On était ensemble, on avait écouté le témoin de l'enfer, non? On a écouté les satanistes qui disaient que c'est le diable qui dit aux chrétiens, de ne pas payer la dîme. C'est le pasteur qui va voler. C'est comme ça, on a vu qu'il y a les gens qui étaient en enfer, qui volaient les dîmes. On a dit, à cause de ton ta cupidité, tu as risqué ton éternité pour maman. Hey! Si tu payes la dîme, tu devais souffrir dans la chair. Si tu payes la dîme et que Jésus n'a pas dit que c'est un péché ou bien c'est un truc, tu es libre. Si tu as payé ta dîme à Jésus, est-ce qu'on va t'envoyer en enfer parce que tu as payé? Non. Si tu payes la dîme, tu vas souffrir. Ton confort va sécher. Voilà ta raisonnement. Voilà ta part de crainte de l'éternel. Attends, si on va... Il y a les gens avec le maquillage de la foulard. Le maquillage, tout et tout. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Si Dieu arrive au ciel, Dieu dit que le maquillage est bon. La personne qui ne mettait pas le maquillage n'a pas de problème. Parce que la Bible ne dit pas que maquille-toi pour aller au ciel. Donc lui va toujours entrer, il n'a pas de problème. Mais on met ensemble, pomme. Après, on dit que tu n'es pas au ciel, le maquillage n'entre pas au ciel. Tu cherches le ciel? Quel désespoir! Mon frère, ma soeur, allez habiter dans le feu pour toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur la terre? Il y a un frère qui arrive au ciel. Il arrive là-bas, il est content. Les gens le voient, il va rentrer au ciel. L'ange dit, attends. Il s'arrête. Et puis on prend le scanner. On regarde dans son habit. On regarde. Après le scanner fait tim. Et on regarde. Oh, il y a une tache en lui. Ouais. L'ange dit, pourquoi tu n'as pas permis à Jésus-Christ de te laver par son sang quand tu étais sur la terre? Why did you leave the blood of Jesus? Allow the blood of Jesus to wash you. Amen. You have lost your soul for eternity because of a spot. La Bible dit que sans tache, sans ride. Tu peux faire le miracle là. Tu ne peux pas. Mais regarde où. Pourquoi tu ne passes pas le temps au pied de Jésus? Comme Marie, que je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que j'arrive au ciel avec toi. Pourquoi tu ne fais pas comme Ruth? Jusqu'à ce que j'arrive au ciel avec toi, je ne te laisse pas partir, prends ton, je ne te laisse pas partir, je ne veux aucune distraction, je ne veux pas aller dans le feu éternel, et de là sentirai la pitié pour tes frères qui ne sont pas sauvés. Quand tu vas les regarder, tu vas prier, voilà très clair, comme notre sœur Esther. Quand le roi va te dire que tu veux l'argent, tu veux le royaume, tu vas dire non, je veux le salut de ma famille. Je veux le salut des gens de ma maison. Je veux le salut de mon âme. Parce que l'esprit m'a appris à craindre Dieu et à connaître que la requête de prière, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre et de sauver son âme. Voilà la requête de la reine Esther. Tu vas être sage comme Rahab, la prostituée, qui va dire que jure-moi. Prostituée, une prostituée a une requête de prière plus intelligente que les femmes de ce siècle. Sans pitié pour les âmes de leurs enfants. Jésus dit que femme, pleurez sur vos enfants. Tu comprends? Pleurez. Jésus-Christ savait que votre pitié est fausse. C'est une pitié de la chair pour manipuler Jésus. Ils partent en enfer, vos enfants, vos maris. Partent en enfer, femme de prière.
l'Éternel, moi et la maison de mon père. Tout le monde est sauvé. Rahab, la prostituée, elle vient. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Elles connaîtront la compassion de Christ. Est-ce que tu connais la pitié? Tu connais la crainte de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Tu m'as prié, frère. Tu m'as prié, ma soeur, demander la grâce à Dieu. Que tu aies la crainte que Dieu veut que tu aies. Et la pitié que Dieu veut que tu aies. Pour aller sauver, arracher les gens du feu. La vraie pitié, c'est pas que tu es seulement rudeur. Il n'y a aucune pitié en toi. Même dans tout ce que tu fais, tu condamnes seulement. Il est parti en enfer, non? Il est parti en enfer. Tu connais ce que veut dire que parti en enfer? Tu connais ce que veut dire que quelqu'un se trouve dans le feu? Tu as la pitié dans ton cœur? Tu as la pitié? Tu es comme Jonas? C'est ma autorité, la vie va être détruite. Où est la pitié? Renonce à toi-même. On m'a fait, tu dois te venger. Renonce à toi-même. Tu ne peux pas avoir la pitié dans ton cœur. Voilà très clair. Tu dis que tu crains Dieu pour toi-même, mais pour ton frère. Hein? Jésus ne va pas accepter le serviteur impitoyable qui n'a pas de pitié. Prie Dieu. Est-ce que c'est toi, le serviteur impitoyable ayant vos? Voilà une pitié. Mais l'heure de crainte. Prie Dieu. Prie Dieu. Parle à Dieu. C'est l'heure de prier. Est-ce que tu as la pitié? Est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Est-ce que tu fais tout par compassion? Est-ce que tu donnes l'action pour que l'œuvre de Dieu se fasse? Est-ce que tu as pitié de ton frère, de ton dame, ta soeur en Christ qui parlait dans le feu éternel? La pitié, 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 Jésus. Oh mon père, ayant encore les sentiments qui est en Jésus, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier. Tu vois, tu ne peux pas prier, tu es enchaîné dans la chair, tu pars dans le feu, tu ne peux pas tout laisser pour aller prendre la pitié de Jésus. Tu vas rester dans ta pitié. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre le micro, Skype. Ouvre le micro. Les gens de Skype. Vos micros sont fermés. Les micros sont fermés sur Skype. Ouvre le micro. C'est l'heure de prière. Voilà, les micros sont fermés. Voilà, là-bas. Parle à Dieu. L'heure de prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Les micros sont fermés. Maman Chabani, ton micro est fermé. Marie de Magdala, ton micro est fermé. C'est l'heure de prier, de demander à Dieu, dans la grâce éternelle, de demander la pitié. Seigneur Jésus-Christ, le cœur de pitié, pour connaître, demandez, vous recevrez. Demande à Jésus, la crainte de Dieu, et la pitié pour ton frère, pour ta soeur, pour ton compagnon. Oh, tu aimeras ton prochain. Comme tu aimes toi-même, prie, Jésus t'aidera, Jésus t'aidera, tu aimeras ton prochain, comme tu aimes toi-même, tu ne veux pas aller dans le feu, pourquoi ton frère ira là-bas, pourquoi ta soeur ira là-bas, pourquoi tes enfants iront là-bas, pourquoi ta famille ira là-bas, alors que tu connais Jésus, alors que tu connais le Seigneur, une pitié mêlée de crainte. Une pitié menée de crainte. Prie Dieu. Elle menée de prière. Elle menée de prière. Yaoundé, c'est la prière. Le Canada, c'est la prière. Prie pour toi-même. Ce n'est pas la religion. Jésus est en train de passer. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Cherche le Seigneur. Cherche le cœur de Jésus. Elle menée de prière. Elle menée de prière. Et maintenant la prière, c'est l'heure de prier. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la justification, la pitié, pitié, mais l'heure de crainte, la crainte de Dieu, ne mirez pas dans le feu éternel, la damnation pour toujours. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas créé, qu'il ne fût pas né. À toi la gloire, Seigneur! À toi la gloire! Que la gloire et la gloire et l'adoration
ne reviennent qu'à toi seul. Seigneur Jésus-Christ, comme il en était, comme il en sera, et comme il en est, pour des siècles et des siècles. Au nom de Dieu puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aie pitié de moi, papa. Merci Seigneur. Aide-moi tous les jours, Seigneur. Merci Jésus. Aide-moi tous les jours. Aide-moi tous les jours, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. À marcher dans la sainteté. Que te sauve mon âme et les âmes de mes frères et de mes soeurs. Merci Seigneur.